Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader. Extrait du discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire en 1950. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices et chers internautes, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Préface. Wokisme, séparatisme, universalisme, cancel culture, islamo-gauchisme, décolonialité, autant de mots que l'on entend depuis quelques années et qui laissent à penser que certains citoyens seraient des ennemis de l'esprit républicain. En effet, quelques universitaires en France hexagonale ont été accusés de séparatisme par rapport au sujet de leur recherche et à leur volonté d'apporter leur regard critique sur l'histoire et la pensée coloniale, entre autres. Selon Aníbal Quijano, sociologue et théoricien politique péruvien, la perspective décoloniale est de sortir de la prison de l'eurocentrisme en tant qu'orientation des connaissances. On peut poursuivre et souligner que dans les débats actuels, singulièrement dans cette campagne présidentielle, le terme universalisme renvoie à une pensée codifiée, élaborée et structurée dans laquelle chacun est sommé de se reconnaître, quitte à nier des faits indéniables tels que les conséquences de la traite transatlantique ou encore celle de la colonisation ou d'une partie du continent africain. L'auteur que nous recevons aujourd'hui est une universitaire franco-sénégalaise, maîtresse de conférences à l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh en Pennsylvanie. Elle travaille sur la question noire, l'antiracisme et l'universalisme en France. Elle est l'autrice de deux essais. Le premier, « Identité française, banlieue, féminité et universalisme », publié en 2019. Et le dernier, « Universalisme », coécrit avec Julien Suodo, publié en février 2022. Elle est aussi réalisatrice, en collaboration avec Katie Nielsen, d'un documentaire intitulé « Marianne Noire ». L'ouvrage dont il sera question dans cet entretien est le dernier sorti, donc, comme je disais tout à l'heure, « Universalisme ». J'ai donc l'honneur immense de recevoir Mame Fatou Niang. Oui, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir Laure et merci beaucoup de m'avoir ici, de me recevoir ici. Alors, le principe de cette émission, c'est qu'effectivement, c'est une conversation autour donc de l'ouvrage, et dans cet entretien je me permets de tutoyer mon invité. Ça te va? Ça me va absolument. Très bien. Alors je montre à la caméra donc cet ouvrage Universalisme, donc coécrit. Alors ma première question va être la suivante: pourquoi avoir voulu faire cet essai? N'est-ce pas vouloir poursuivre des chimères que de vouloir faire entendre raison au moment où les discours racistes semblent avoir le vent en poupe? Alors c'est une très très bonne question, et vouloir avoir raison ou participer au débat, ce n'est pas vraiment le point de cet essai, parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas à débattre. L'humanité de certaines personnes, ce n'est absolument pas des choses qui font débat. Nous sommes humains, je ne participerai pas. Je me refuse par exemple à participer à des émissions à la télé française où l'humanité de personnes venant de banlieue, ou l'humanité des personnes qui habitent, qui peuplent les départements d'outre-mer, est une question. Donc il y a certaines choses qui ne sont pas à débattre, c'est une évidence. Par contre, ce qu'on a voulu faire et qui a rencontré, là il s'agit vraiment d'une rencontre extrêmement heureuse avec cette maison d'édition, donc qui s'appelle Alain Mossa. D'accord. Qui a cette collection qui s'appelle Le mot est faible, et le but de la collection est de prendre un mot qui surgit dans le débat public, alors république, école, race, tout à fait, race, exact. Et qui a été un peu galvaudé, et de passer commande à un expert de la question, alors chercheur ou pas chercheur, et vraiment dans un format très très court, on le voit, c'est oui, un tout, tout petit fait. Objet, exactement. Voilà, tout à c'est fait. Quelque chose tout qui agréable à tenir, exactement, c'est un très bel objet, mais qui doit être lu assez vite, pouvoir vraiment donner de manière assez concentrée, à la fois très concentrée, scientifique mais légère, un objet qui puisse être lu par tout le monde, des points d'entrée.
dans ce sujet. Donc il ne s'agit pas de convaincre, il ne s'agit pas d'attirer vers soi, mais de donner des points d'entrée dans des conversations autour de ces thèmes-là, la race, la République, l'universalisme, la politique, etc., dont on se rend compte qu'ils sont tellement galvaudés dans le débat public que les personnes ne savent plus finalement à quel sein se vouer ou quelle opinion avoir sur ce sujet. Voilà. Exactement. Alors justement, je vais rebondir là-dessus. Le fait que les gens ne sachent pas justement quelle opinion avoir, est-ce que ce n'est pas lié aussi au fait que finalement les mots ne veulent plus rien dire, qu'on les a vidés de leur sens, ou alors qu'on leur a collé une signification en fonction du contexte actuel? Est-ce que ce n'est pas le cas? Absolument, la politisation, et quand je parle politisation, je parle en anglais, on dit weaponization, donc la manière dont les mots sont armés pour servir une certaine vision, pour servir un certain agenda, une certaine idéologie, a atteint véritablement son paroxysme. Moi, je travaille sur ces questions depuis 17 ans maintenant. D'accord. Je suis maîtresse de conférence depuis 13 ans, et il m'arrive sur mon sujet, qui est l'universalisme, la citoyenneté, l'identité française, de regarder des débats à la télé pendant 40 minutes et de n'avoir aucune idée de ce qui se dit. Vraiment, de n'avoir aucune idée, de ne pas comprendre ce qui se dit, tellement les mots ont été dévoyés, vidés, transformés pour dire tout et leur contraire. Le sociologue Éric Fassin parle de la politique du n'importe quoi. Du n'importe quoi, dont le paroxysme a été atteint aux États-Unis avec Donald Trump, où on est vraiment, que ce soit dans le fond et dans la forme, dans une espèce de renversement total de la logique, de renversement total du sens même des mots. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est véritablement dans cette espèce de marécage dans lequel on est entraîné, dans cette espèce de manège complètement diabolique, prendre le temps de s'arrêter, respirer. Tout à fait. Respirer. Et puis, vraiment, il ne s'agit pas là d'avoir raison ou d'avoir le dernier mot, mais de se dire, on va retourner à l'enfance du débat. Donc le débat, c'est qu'il y a une position, il y en a une autre, et on va les offrir, on va offrir des portes d'entrée, on va offrir des mots, on va offrir des faits, on va donner de l'histoire. Et à partir de là, vous, l'audience, vous, le public, vous êtes libre de vous faire une position. Mais se faire une idée, se faire une position est très difficile dans ce moment d'intense intoxication des esprits. Beaucoup de bruit. Voilà, et une intoxication qui passe par l'intoxication des mots. Exact. Alors, je vais enchaîner. Alors, dans ce livre, tu dis que le propos se veut une critique de la raison pseudo-universaliste. C'est-à-dire, parce que généralement, quand on met pseudo, c'est que ce n'est pas réellement cela. Alors, qu'est-ce qu'on entendrait par la critique, la raison pseudo-universaliste? Alors, une chose qui est extrêmement intéressante pour nous, pour Julien et moi, c'était de, comme on a voulu le faire, et c'est vraiment un des jalons qu'on rappelle très souvent dans le livre, revenir à l'enfance des mots. L'universalisme, c'est un idéal. On parle d'idéal républicain. Un idéal, c'est un projet. C'est une chose à laquelle on tend. On se dit, aujourd'hui, on est à l'instant T, on veut tel projet pour notre société, on va se mettre ensemble, on va faire de l'en commun la res publica, la république, et ensemble on va tendre vers l'application de cet idéal. Et aujourd'hui, on est arrivé à un moment où les mots étaient tellement vidés de leur sens qu'on oublie qu'on est dans un idéal. Et on se retrouve dans une situation où des personnes sont pointées du doigt, car ces personnes-là nous disent « mais on n'est pas encore, le projet n'est pas encore complet ». Et ces personnes-là sont désignées comme étant des ennemis de la République, sont désignées comme étant des personnes qui veulent attaquer le trésor, qui veulent attaquer un universalisme qu'on doit couler dans le marbre et le mettre figé, dans un musée figé et le protéger. Alors que l'universalisme, toutes ces valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité qui accompagnent l'avènement de la République, on va retourner à 1789, lorsque l'on dit que tous les hommes naissent libres et ayant droit, l'institution de l'esclavage existe. Exact. 1789, il faudra 5 ans. 1794, 5 ans d'atermoiement, on se rappelle plutôt périssent les colonies que nos principes. Ben 5 ans exact, de principes qui vont être compliqués pour que l'institution de l'esclavage soit levée. Et 1802, l'économie est en train de péricliter. Napoléon rétablit l'esclavage. Donc quand 1789, c'est comme si 1789, l'universalisme arrive et non, l'esclavage existe, l'esclavage va être remis.
Les femmes ne peuvent pas voter, les femmes ne peuvent pas être propriétaires, les pauvres ne peuvent pas voter. Exact. Dans les colonies d'Afrique du Nord, le code de l'indigénat institue de fait une civilisation, une citoyenneté de seconde zone pour les musulmans. Donc il a fallu à un moment que des citoyens qui ne se reconnaissaient pas dans le projet ou qui se retrouvaient dans les coins les plus sombres, les plus fragiles de cet universalisme, se lèvent et disent... On ne voit pas notre compte pour que les failles soient rassemblées. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, que des personnes disent « on a fait beaucoup d'efforts sur l'esclavage, il reste encore des choses à faire. Mmh. On a fait beaucoup d'efforts sur les femmes, on a fait beaucoup d'efforts, il reste encore des efforts à faire. » Et justement, pointer les failles de cet universalisme-là, c'est faire œuvre de République, parce qu'on rappelle la République à son hospitalité. Voilà. Et donc aujourd'hui, ceux qui prétendent défendre cet universalisme-là, pour nous c'était plus facile avec Julien, on a trouvé cette solution de dire que c'est un pseudo-universalisme parce qu'on n'y est pas encore. Et non seulement on n'y est pas, mais il n'inclut pas toutes les populations. Absolument, absolument. Alors, à la page 15 donc, du livre, tu abordes la généalogie d'une illusion eurocentrée. Mm-hmm. De quoi s'agit-il précisément? Alors je lis, définir l'universalisme, penser son avenir, les formes qu'il pourrait prendre au XXIe siècle, c'est d'abord établir l'archéologie d'une falsification, le pseudo-universalisme. Alors tu parles de falsification et d'illusion eurocentrée. Est-ce que tu peux éclairer un petit peu plus, s'il te plaît, nos téléspectateurs? Alors je vais lire un extrait de la page 18 qui va éclairer un peu nos lanternes. Je commence à lire. D'accord. De tous les empires européens de l'ère moderne, aucun n'a plus que la France occulté la sauvagerie coloniale derrière le voile de sa mission civilisatrice. L'universalisme classique est à la fois une fausse monnaie et un instrument de conquête. L'arme du crime est la rivière où on la jette. Des colonies aux Outre-mer et aux banlieues, l'universel et l'ordre républicain sont les noms politiquement corrects du contrôle social et de la domination. La raison pseudo-universaliste n'est autre que la raison coloniale. Elle n'est pas l'universalisme comme projet pour l'humanité, mais une idéologie de l'universel au service de la supériorité européenne. Le nier, l'occulter ou l'oublier, c'est entretenir une mise en scène qui pérennise la colonialité dans le monde postcolonial. Alors ce qu'on a voulu dire par là, c'est que la modernité européenne, la modernité française au XVIe siècle, donc qui accompagne l'avènement du colonialisme, du capitalisme, oui, est possible grâce à l'esclavage, au commerce transatlantique et à la colonisation. Et ce qui va permettre le commerce esclavagiste, ce qui va permettre la colonisation, ce qui va rationaliser, ce qui va permettre à un moment de se dire qu'on va regarder des êtres humains et pouvoir les vendre. Les vendre, pouvoir, oui, les inférioriser. Les inférioriser, les exploiter, c'est qu'il faut les inférioriser. Donc il faut rationaliser cette utilisation. On se rappelle, pour les Espagnols, de la controverse de Valladolid. Oui. On ne peut pas mettre en esclavage des chrétiens. Donc la seule manière de le faire, c'est de se demander s'ils ont une âme. Exact. S'ils n'ont pas d'âme, on peut le faire. Et ce qu'on va faire, par exemple, pour nous, en France, avec le code noir, c'est de dire « les esclaves sont des meubles ». Dans ce cas, on n'a pas cette question de l'humanité. De l'humanité, etc. Tout à fait. Voilà. Donc on va rationaliser l'utilisation d'êtres humains, qu'on va déshumaniser, littéralement. Ils vont être des meubles. Et à partir de là, pouvoir utiliser pour le développement du capitalisme européen. Et il y a quelques mois, c'est avec beaucoup d'intérêt que je suivais les célébrations du bicentenaire de Napoléon. Tout à fait. Et l'historien Jean Tullard l'expliquait très facilement lorsqu'il dit que l'esclavage est rétabli en 1802. Ce n'est pas par racisme ou par voilà, c'est juste de manière... Des raisons économiques. Exactement, pour des raisons économiques. L'économie se meurt. Il faut le ressusciter. Ces mots sont extrêmement forts. Il parle de pulsion de vie ou de mort. Il faut ressusciter l'économie coloniale. Donc, Napoléon a une décision extrêmement pragmatique qui est de rétablir l'esclavage. Et il rajoute, à l'époque, personne ne se plaint.
Et donc ça pose vraiment cette question de ressusciter. Il y a un souffle vital qui est utilisé. Et c'est le travail noir, le travail esclavagiste. Donc pour nous, lorsqu'on revient à l'histoire de ce principe, c'est de se dire qu'il y a un principe qui va être au centre d'une mission d'expansion. Mais ce que la France va faire, à la différence du colonialisme hollandais ou du colonialisme anglais, qui va être très pragmatique et dire « nous, on part pour prendre les matières premières » et ce que les Ghanaïens ou ce que les Sud-Africains font de leur culture, ça les regarde, c'est d'enrober tout ça dans une mission civilisatrice. Voilà. Tout à fait. De se dire, nous ne partons pas pour les matières premières, mais nous partons parce qu'il y a aujourd'hui dans ce monde des gens qui vivent dans l'obscurité et nous allons leur amener les lumières. Exact. Et donc la manière dont ce discours d'exploitation économique, financière, ce discours d'infériorisation, ce discours de déshumanisation qui va durer 4 siècles, va être enrobé dans une logique, dans une éthique de civilisation, dans une éthique d'aide de l'autre, dans une éthique d'ouverture de l'autre. De grandeur d'âme. De grandeur d'âme est à voir. Et donc à partir de là, revenir véritablement à l'enfance de ce concept, comment est-ce qu'on s'est ouvert à l'autre, est-ce que la manière dont on s'est ouvert à l'autre dans un mouvement de civilisation qui en fait cachait un mouvement d'effacement, un mouvement de déshumanisation, de violence absolument extrême. Tout à fait. Et donc revenir à ça et se dire aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut revenir sur cette histoire, pas dans une volonté de pointer du doigt ou d'accuser, d'atermoiement, de victimisation, mais de se dire, il y a un peuple aujourd'hui qui est né de cette histoire, qui est un peuple français, et qui est un peuple français qui dépasse l'Hexagone. Aujourd'hui, on est français du Pacifique, exact, à l'Atlantique, tout à fait. On est français, et donc qu'est-ce qu'on fait de tout ça, et quelle est la place de ce concept de l'universalisme, mais pas dans cette manière extrêmement fermée et fixe du passé, mais comme le disait Césaire, un humanisme qui soit à la mesure du monde, un humanisme qui soit à la mesure de son monde. Tout à fait. Alors, on va poursuivre l'entretien. Tout à l'heure, dans l'introduction, j'ai cité un certain nombre de mots qui sont, entre guillemets, très à la mode. Enfin, à la mode, on s'entend. En tout cas, qui sont répétés. Alors, que répondre à celles et ceux qui accusent de wokisme toute tentative de regarder l'histoire coloniale autrement, notamment en intégrant le regard de celui qui a été colonisé. D'ailleurs, est-ce que pour nos téléspectateurs, tu pourrais un peu définir ce que l'on entend par le wokisme ? Alors, jusqu'il y a 3 mois, je disais à qui voulait l'entendre que j'étais preneuse d'une définition, parce que je travaille sur ces questions de race, de citoyenneté, d'identité. Je ne sais pas ce qu'est le wokisme. Il m'est arrivé d'écouter des émissions sur la question et de ne pas absolument pas savoir de quoi il était question. Et j'ai cru comprendre que le wokisme était une accusation qui était donc levée contre des chercheurs, des citoyens, des activistes, des chercheurs, des écrivains, etc., artistes, qui travaillent sur les coins à éclairer de notre mémoire nationale. Parce qu'aujourd'hui, en France, on a hérité d'un roman national extrêmement structuré. On a une histoire très simple qui a été écrite par des historiens, je pense à Michelet, Nora, et qu'on doit croire ce qu'ils nous disent. Notre histoire qui est un ferment, qui est le noyau de notre identité nationale. Je repense ici à Renan qui disait qu'être français, c'est faire partie d'un groupe de personnes qui ont fait des très grandes choses ensemble dans le passé et qui trouvent à partir de ça l'énergie de faire groupe, de faire en commun, de faire république ensemble et puis la puissance de se lancer vers un projet pour remplir des idéaux. C'est ça être français. Donc l'importance de ce passé. Et on nous dit, le passé, il est comme ça. On a ces grands hommes, on a la puissance, on a Versailles, Louis XIV, les idéaux, etc. Et il faut l'accepter. Et il se trouve aujourd'hui qu'il y a des personnes qui disent, là, dans le roman national, on passe quand même un peu facilement de la page 2 à la page 4. Absolument. Elle est où, la page 3 ? Exact, exact. Et on nous dit non, il ne comme une amnésie, en fait. Une amnésie. Et pour revenir à la notion d'amnésie, je peux repenser tout de suite, par exemple, à Renan, très grand architecte de notre histoire, au 19e siècle, qui disait que, historien, que le plus grand danger
au développement d'une nation, c'est le développement des études historiques, que l'oubli, et même plus que l'oubli, l'amnésie, était nécessaire à la cohésion d'une nation, parce que se rappeler des mauvaises choses, c'était... Donc voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes en France qui se disent, mais comment est-ce qu'on construit l'identité nationale? Comment est-ce que, lorsqu'on dit le cinéma français, comment de quoi parle-t-on? France, de quoi exact. On parle? Et aujourd'hui, toutes les choses qui font qu'on construit, qu'on pense à la France, l'histoire, les noms, les noms de qui sont donnés aux avenues, absolument, aux statues. Souvent voilà. Des noms américains d'ailleurs. Exactement. Oui. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand nos noms ne sont pas là? Et comment est-ce qu'on peut faire partie, se projeter? Moi, je le dis, ma famille est d'origine sénégalaise. Nous sommes sur le continent depuis 1835. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y a rien. Et j'ai grandi en entendant cette célèbre question, d'où viens-tu? Parce Tout que pour beaucoup, en étant... pas caribéenne, vue comme africaine mais française, je devais être de la première ou de la seconde génération. Donc, et pourtant, ma famille est en France, sur le continent, depuis 6 générations, parce qu'il n'y a rien, rien dans la manière dont on pense la francité qui explique pourquoi je suis là. Exact. Et donc, aujourd'hui, les personnes qui se posent ces questions, de se dire comment est-ce qu'on construit la francité, comment est-ce qu'on construit le « je », le « nous », le « eux », comment est-ce qu'on construit les choses qui disent automatiquement l'inclusion? Ça, c'est français, ça ne se l'est pas. Comment est-ce qu'on construit les choses qui disent l'exclusion, le doute? Eh bien, ces personnes-là sont considérées comme des traîtres à la comme patrie. Comme des traîtres, exact. Ou même, pour référencer le terme d'islamo-gauchisme, comme des complices des islamistes, absolument, des personnes qui sont là, des terroristes intellectuels qui sont là pour détruire la France. Et c'est un moment extrêmement grave. C'est très violent, c'est très surtout. Violent. Donc, on va poursuivre justement. Alors, je voudrais juste lire quelque chose. La colonialité ne finit jamais. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui, selon toi, empêche la République de reconnaître ses actes? En fait, ses actes qui finalement contredisent son discours. Parce que oui, alors je pense notamment au conte philosophique Candide de Voltaire. Absolument. Quand effectivement Candide interroge le nègre qui est assis par terre et lui dit « Oh, mais que fais-tu dans cet état-là » Et à un certain moment, l'esclave va dire « Je suis dans cet état-là parce que » il va énumérer donc tous les sévices qu'il a subis. Et ensuite, il conclut par cette phrase magistrale, c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Alors, moi, je me pose la question, qu'est-ce qui empêche? Parce que quand même, ce sont des faits. Les Français savent quand même que l'esclavage a existé. Enfin, je crois que la colonisation de l'Algérie, etc., ça a existé. Le massacre... Bon, bref. Alors, je me dis, mais pourquoi cette difficulté à reconnaître? Et qu'est-ce qui empêche que la République reconnaisse cela? Alors moi je pense qu'il y a, je viens juste de terminer un article qui s'appelle « Innocence, ignorance, arrogance, les trois grâces du racisme à la française ». L'ignorance est extrêmement forte. Il y a 2 ans, je termine un exercice que j'ai fait avec des étudiants de CMU, de mon université aux États-Unis, où nous avons sillonné 3 villes en France, Bordeaux, Lyon et Paris, interrogé 495 personnes en leur demandant quelle était la relation historique entre Haïti et Paris. Et 95% des gens que nous avons interrogés ne savaient pas qu'Haïti était une colonie française. D'accord. Avait été une colonie française. Et nous, on se rappelle de... Alors, nous n'allons pas leur jeter la pierre, parce qu'on se rappelle de notre ancien président Jacques Chirac, qui disait, dans un discours qui est très connu, qu'Haïti n'a jamais été une colonie française. Exact. Que c'est un pays très compliqué, où les relations très pauvres, où la vie est compliquée, et que la France aide en vertu exact. De son humanisme. De son historique. Humanisme, tout à fait. Exactement. Et je prends mon exemple, j'ai toujours été une très très bonne étudiante, très bonne élève au collège et au lycée, premier prix du concours général en histoire, et c'est aux États-Unis, à 24 ans, que j'apprends que Haïti et Saint-Domingue étaient le même pays. J'ai beaucoup écrit dessus. C'est aux États-Unis que j'apprends qu'Haïti c'était Saint-Domingue et que Saint-Domingue était une colonie française et que c'est la colonie la plus riche de l'histoire coloniale. Donc il y a, quand on parle, et on revient sur l'amnésie, quand on parle de la manière dont on... il y a beaucoup d'ignorance. Beaucoup D'accord. d'ignorance sur ces choses. Et ça pose la question, pourquoi? Pourquoi? Et aujourd'hui en France, on a un exemple qui est très facile à suivre, qui est l'exemple de l'Holocauste où...
au lendemain de l'ouverture des camps, il va y avoir une espèce de choc. Tout le monde est saisi de silence. De la part des survivants, trop difficile de parler de cet indicible. Impossible de parler de cet indicible. Et ce silence va arranger les affaires de l'État qui est un peu embêté par rapport à vu la posture et ce qui a été fait, bien sûr. Et il faudra 35-40 ans pour que cette mémoire-là explose au grand jour, 1995, 50 ans plus tard, pour que l'État français reconnaisse enfin son implication. Donc l'ignorance, et il y a un moment où l'ignorance, oui, elle arrange un peu le discours, ce discours de fierté. Les petits Français doivent avoir de la fierté par rapport à leur histoire, d'être un peu dérangés. On le voit par rapport à la guerre d'Algérie. Si on enseigne le conflit algérien, est-ce que ça va amener des conflits dans des écoles de banlieue où des étudiants musulmans vont encore avoir des billes pour détester la France? Et donc la solution, c'est de garder le silence. Ben non, ça ne marche pas. D'accord. Alors, je te propose qu'on poursuive tout à l'heure. Nous allons donc passer à une page publicitaire et je vous dis à tout à l'heure. Super. Alors nous retrouvons Mam Nyang pour son essai Universalisme. Alors tu disais tout à l'heure, donc je te posais la question tout à l'heure de savoir pourquoi effectivement la République a du mal à reconnaître que ces discours, enfin les actes contredisent effectivement ces discours, et tu étais en train d'expliquer effectivement toute l'historicité de ce comportement. Alors qu'est-ce que tu pourrais encore ajouter sur cette question? Donc il y a beaucoup d'ignorance, mais une fois que cette ignorance elle est mise au grand jour, on a deux solutions. Soit on se dit, ah oui, il y a des choses à compléter, ou alors on se dit, mais ce n'est pas possible, nous sommes la France, nous sommes le cœur de l'universalisme, nous sommes la fille des Lumières. Et il se trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est la posture que beaucoup adoptent et pointent du doigt ce qui pointe les manquements. Et donc, qu'on sera accusé, comme je disais, d'être un terroriste intellectuel, d'être anti-républicain, d'être révisionniste, alors que ce que l'on dit, ce ne sont que les faits. Je vais donner un petit exemple. Ce week-end, j'ai donné l'allocution plénière au congrès des études d'histoire française, donc à Charlotte. C'est d'accord. Une conférence qui se réunit tous les ans, et puis cette année, elle se réunissait à Charlotte, aux États-Unis. Près de 3000 historiens de la France, venue du monde entier, et je leur ai posé une question très simple par rapport à toutes les peurs de contraction, les peurs d'effacement. On entend parler de cancel culture, les gens qui veulent faire tomber les étoiles, les gens qui veulent arracher des pages d'histoire. J'ai posé un exemple très simple. Qui ici est historien des mouvements sociaux du monde ouvrier du 19e siècle? Il y avait à peu près 500 personnes qui ont levé la main, et je leur ai dit, et parmi ces personnes qui sont là, je vais demander à tout le monde de baisser la main, sauf ceux qui sont historiens des mouvements sociaux hors de l'Hexagone. Dans la France, au 19e siècle, la France, elle s'étend dans le monde entier. Tout à fait. Et donc, on a et le 19e siècle est le grand siècle. C'est vraiment le siècle de prédilection des historiens. Et on voit, on sait l'importance que les mouvements sociaux, l'étude du mouvement ouvrier au 19e siècle a sur le fait qu'au 20e siècle, on soit encore un pays socialiste, etc. La lutte des classes, et on le voit aujourd'hui, le prolétariat, etc. Et d'imaginer en fait que dans notre tête, le prolétariat, c'est un prolétariat blanc. Exact. C'est Victor Hugo, c'est Zola. Zola avec effectivement germinal. Exactement. Et de se dire, mais il n'y a pas si longtemps, mai 67, on a tiré sur des ouvriers ici, et qu'il y a toute une histoire du monde ouvrier français, des Outre-mer, du monde ouvrier français en Afrique, 74, en Martinique, Chalvé, au Sénégal, qui est complètement passé sous silence, ignoré, parce que n'étant pas l'Hexagone. Donc nous, lorsqu'on parle de mettre en lumière ces coins, ce n'est pas pour arracher des pages, c'est pour étendre notre vision. Véritablement. Et là, c'est un exemple extrêmement précis que je prenais, mais c'est un exemple qui peut marcher pour tout. Se dire qu'on a lu un roman, qu'on a mémorisé grâce au programme national, un roman qui a ses itérations dans l'art, qui a ses itérations dans la musique, au cinéma, mais en fait, se rendre compte que tout d'un coup, il manquait la page 3. Exact. Il manquait le haut de la page 4. Il manquait de la page 12 à la page 20. Et aujourd'hui, il y a des personnes dont la recherche, dont le travail est de
retrouver ces pages-là afin de compléter véritablement le livre. Alors, mais comment expliques-tu que des chercheurs, quand même, en histoire, accréditent et confortent ces histoires? Enfin, je veux dire que quand on est historien-chercheur, selon moi, je vais jouer volontairement à la naïve, comment peut-on, alors quand j'entends certains qui sont reconnus, comment font-ils pour donner donc du crédit à... Alors qu'en fait, eux qui sont des historiens-chercheurs savent très bien que bon, ben, ce roman national n'inclut pas tout le monde. Et pourtant, ils participent à l'exclusion ou à la non-inclusion. Comment expliques-tu leur position à eux en tant que chercheurs ? Alors, je peux en parler facilement parce que c'est mon monde, le monde de la recherche. Tu parles des historiens, mais je peux parler aussi de sociologues, de politologues. Il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, 1 an et demi, nous avons eu le cas de Beau et Noiriel qui étaient véritablement ce qu'on appelle des mastodontes sur l'étude de la diversité des professeurs qui, en France, ont géré, ont introduit des générations entières à l'étude de l'immigration, etc., qui étaient vraiment des mastodontes de cette question et qui se sont retournés contre ces questions en disant, par exemple, qu'aujourd'hui, la question raciale, la question coloniale, la question de l'esclavage était en train de faire un mal considérable à la question première, absolument, qui était la question de la classe. Donc c'était la classe et pas la race. Et justement, la question que je pose, que j'ai posée ce week-end au congrès des historiens, c'est de dire qu'on n'a pas à choisir la classe et la race. La race, la question raciale, la question coloniale, la question... Sont liées. Elles sont liées. Absolument. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui quand on voit des historiens, quand on voit des sociologues, des politologues mener, parce que c'est ça aussi que je pense est assez intéressant par rapport à tout le mouvement islamo-gauchiste, donc cette dénonciation au sein du milieu universitaire, d'universitaires qui seraient alliés, objectifs de l'islamisme pour faire tomber la République, qui seraient, voilà, je le répète encore parce que c'est vraiment l'accusation des terroristes intellectuels, c'est de se rendre compte souvent, lorsqu'on regarde, il y a un doctorant qui a présenté un travail absolument fascinant dessus, le nom va me revenir, se rendre compte que beaucoup de ces professeurs sont des professeurs à la retraite. Beaucoup de ces professeurs sont des professeurs émérites. Beaucoup de ces professeurs ce sont des gens qui ont travaillé de manière extrêmement insulaire sur l'Hexagone, avec très peu de contact avec le monde hors de la France, et des gens qui, en fait, dans leur recherche, ne se sont jamais ouverts sur l'extérieur, qui ont un train de retard et qui, aujourd'hui, il y a une espèce de mandarinat comme ça qui a du mal. Et on va revenir vraiment, pour moi, une phrase qui est absolument importante, d'être à la mesure du monde, qui ont un train de retard par rapport au monde d'aujourd'hui. Absolument, tout à fait. Exact. Et qui craignent un peu, qui ont peur pour la perte de leurs privilèges, qui ont peur par rapport à la perte du pouvoir qu'ils ont, cette capacité qu'ils ont eue pendant très très longtemps de parler pour les autres. Et et les personnes pour lesquelles, dont ils parlaient aujourd'hui, parlent pour elles-mêmes. Exactement. Je crois que ça a complètement changé, un peu comme pour les femmes, on parlait à la place des femmes. Et aujourd'hui, les femmes parlent pour elles-mêmes et disent ce qu'elles ont à dire. Absolument. Alors, à la page 48, tu dis « Qui parle pour les effacer ? » Absolument. « Qu'advient-il de leurs faits, de leurs paroles ? » Qui s'assure que leurs voix sortiront des limbes où les enfants, ces historiens prescripteurs, mouleurs et gardiens de la mémoire nationale, incapables de remettre en cause l'histoire qu'ils ont contribué à écrire ? Alors, certains affirment que les personnes descendant de personnes esclavisées ou de personnes colonisées, on les accuse de vivre dans le passé et de représenter par leurs demandes ou leurs discours, des menaces pour l'unité républicaine, et que finalement bien des choses ont déjà été faites. Alors on leur dit, écoutez, aujourd'hui, voilà, Joséphine Becker est au Panthéon, on a donné une allée à Paulette Nardal. Alors en gros... Une impasse. Une impasse, j'aime bien le mot impasse d'ailleurs. Une statue à solitude, il y a une espèce de poésie comme ça. Exactement, et donc on les accuse d'être comme des enfants gâtés qui seraient tout le temps... Alors, mais que répondre à cela? Que répondre? Parce que je me rends compte que même chez nous, parmi nos compatriotes, il y en a qui tiennent ce discours en disant « Oh là là, écoutez, il faut arrêter avec cela, il faut aller de l'avant. » Moi, j'ai coutume de dire comment
dépasser ce que l'on n'a pas rencontré. Absolument. C'est une très très belle phrase et qui s'explique par le concept de colonialité. Tu as parlé tout à l'heure de Quijano et de l'école sud-américaine du décolonialisme qui introduit ce terme de colonialité, c'est-à-dire se dire que la fin du colonialisme n'a pas arrêté, n'a pas. Exact. Lorsqu'on a donné l'indépendance aux pays d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, lorsque l'on a transformé les colonies des Caraïbes en moi, ce que j'appelle des départements colonisés d'outre-mer, le colonialisme a laissé place à un autre système d'autorité et de division qui est la colonialité. Donc la colonialité, ce sont les restes de parce que pour pouvoir esclaviser, il a fallu décider que l'autre était inférieur. Et donc on va créer une vision de l'autre comme un sauvage, on va créer une vision de l'autre comme quelqu'un qui est dangereux, on va créer une vision de l'autre comme quelqu'un, la femme lascive, érotique, etc. Et toutes ces visions-là, elles vont se sédimenter grâce à la peinture, grâce à l'écriture, grâce au cinéma, les cartes postales. Et on a 400 ans de construction mentale qui doivent s'évaporer parce qu'on a décidé que le colonialisme est fini. Non. Et aujourd'hui, on vit encore sur les conséquences économiques, sociales de cette colonialité. Lorsqu'on voit que ça soit dans les colonies, les départements d'outre-mer ou en France, que 4 gendarmes armés d'armes à feu, armés de taser, peuvent s'asseoir sur un jeune homme de 60 kilos à peu près, de moins de 60 kilos, exact, et dire qu'ils avaient peur pour leur vie. Oui. Donc on a 4 oui. mastodontes qui face à... Pourquoi le corps de l'homme noir? Je pense à Adama Traoré, je pense à Michel Zecler. Michel Zecler. Ils avaient peur. Ils étaient 4. Ils étaient 6. Il était tout seul. Qu'est-ce qui, dans ce corps noir, fait tant peur qu'on a l'impression d'être Ce fantasme. Qu'on a l'impression d'être devant un King Kong de 300 kilos. Et donc, pour nous, se dire, ces images-là, on ne peut pas rêver comme ça. On ne peut pas décréter un monde post-racial. Se dire, comme on l'a voulu faire en France, on enlève le mot race de tous nos documents officiels et nous sommes dans un monde post-racial. Ce n'est pas possible. Il n'existe pas. Il nous faut un monde post-raciste. Et la seule manière de comprendre comment arriver à un monde post-raciste, c'est de se dire, comme je le répétais tout à l'heure, on a codifié. Une chose a été, si on considère la modernité française comme un programme informatique, la carte mère est la carte raciale. Il a fallu qu'on se dise, toutes les personnes qui ressemblent à ça sont en dessous. Absolument. Et la question raciale a été la carte mère. Donc comment on peut dire que ce qui a été la carte mère à la naissance de la modernité n'existe pas? Donc revenir à cette question, comme on le dit dans le livre, parce qu'on le sait, biologiquement la race n'existe pas. Et ce n'est pas un retour vers la race biologique, absolument, mais se dire, cette question, elle a été centrale, et voir comment elle a évolué, comment elle a opéré pendant 4 siècles, comment elle continue d'opérer, et enfin se tourner dans un avenir, un futur plus serein en tant qu'humain. Parce que moi, je le crois vraiment, Julien le croit aussi, et c'est le cœur de l'ouvrage sur lequel je suis en train de travailler en ce moment par rapport à des questionnements, c'est un peu plus loin que ça, aux questionnements sur l'intelligence artificielle, aux questionnements sur l'écologie. Nous avons des gros challenges face à nous par rapport à nos relations avec les machines, par rapport à l'écologie, des challenges qui vont nous demander d'y faire face en tant qu'être humain, des challenges qui ne vont pas regarder si on est noir ou blanc ou blond, et donc il va falloir qu'on y fasse en tant qu'être humain et qu'on règle ces petites bisbilles familiales dont une est la question raciale. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, je vais faire un petit clin d'œil à l'actualité. Donc effectivement, ton discours est profondément humaniste. Effectivement, on replace l'être humain, quel que soit donc son degré de mélanine, au centre du débat. Mais alors, comment expliques-tu en France certaines phrases qui sont sorties de la bouche de journalistes et d'autres, en parlant donc de ces Ukrainiens que l'on accueille avec joie, avec une immense compassion, ils nous ressemblent, ils ont les mêmes voitures que nous, etc. Est-ce que par rapport justement à
à cet ouvrage, Universalisme, est-ce que ces propos-là ne sont pas extrêmement choquants ? Ils sont absolument choquants et je pense qu'ils... Parce qu'aujourd'hui en France, et c'est quelque chose qu'on a voulu faire, on a un mur de silence, on a un mur de non-dit, et l'un des plus grands non-dits est dans la langue. On a sorti de notre langue, et on le sait, serment de Villers-Cotterêts, terreur linguistique, absolument. L'un des ferments de l'identité nationale, ça a été la langue française. La Pléiade, faire une langue qui soit à l'intersection de la beauté du latin, qui est une langue magnifique, mais qui ne peut pas être une langue dont on est fier, c'est une langue, de colonisateur, mais le gaulois, quand même, c'est pas très très... Donc la langue française comme ferment. Ce qui n'existe pas en français n'existe pas dans notre psyché oui. Nationale. Donc enlever ces mots pour les faire disparaître de la langue, la race, on enlève littéralement le mot de tous les... document officiel, refuser de trouver des mots. Aujourd'hui en français, on cherche encore un mot pour dire blackness, le oui. Fait noir. Négritude, c'est Césaire Senghor, c'est noirité, noirceur, etc. Mon collègue Norman Adjari vient d'écrire un livre où il parle de l'éloge de la noirceur. Moi, dans mon livre, je parle de noirité. On est encore en train de chercher des mots. On est blackface, etc. Donc, il y a une absence dans la langue parce qu'on ne veut pas jouer avec ces mots, on ne veut pas se confronter. Donc, c'est ce que je disais. On fait écran pour ne pas ancrer. Et aujourd'hui, ce qui se passe, moi je trouve que la crise ukrainienne est extrêmement grave. J'ai vraiment beaucoup de compassion pour ces familles déplacées. Mais d'un autre côté, elle permet de voir ce qu'on ne peut pas dire. Exact. Aujourd'hui, exact. Lorsqu'on nous dit qu'il y a une proximité... Moi, j'ai un jeu que je fais qui est extrêmement facile, c'est quand je rencontre des gens... J'étais à Paris il y a 2 semaines, j'ai une carte sur mon téléphone et je leur dis « Montrez-moi où est l'Ukraine ». Quelle langue on parle en Ukraine ? Personne. J'ai 3 questions très simples. Montrez-moi où est l'Ukraine. Quelle langue on parle en Ukraine ? Citez-moi un plat ukrainien. Ils ne savent pas. Quelle langue on parle en Ukraine ? N'importe quel Français peut vous dire quelle langue on parle au Mali. N'importe quel Français, je pense qu'une grande partie des Français pourraient vous dire où se trouve l'Algérie. Lorsqu'on parle de proximité culturelle, c'est pas vrai. Il y a, ou de même de proximité géographique. On est plus proche Alger et plus proche que Kiev. Proximité culturelle, la langue française. La langue française. Exact, donc, comment se dire qu'on a une proximité ? C'est une proximité de race. C'est une proximité par la blancheur. C'est une proximité par la blanchité. Mais parce qu'on n'a pas le mot, et que le mot ne peut pas sortir, on ne peut pas dire blanc, on enveloppe ça. Et je trouve que cet enveloppement, cette difficulté, elle fait ressortir tout ce qu'on ne pouvait pas dire, tout ce qui faisait qu'on accusait certaines personnes d'être des wokistes, etc. Ouais, et ça... On accueille parce que blanc. Alors que c'est des personnes qui ne parlent pas notre langue. Et je peux vous citer un exemple aussi qui est extrêmement intéressant. Lorsque j'ai fait mon film Marianne Noire, donc cette femme noire née en France, pour beaucoup de parents nés en France, pour certaines de grands-parents ou d'arrière-grands-parents nés en France, on m'a dit que je ne pouvais pas, que le titre de mon film était une insulte à une république sans couleur. Et à ça, je répondais très facilement que Marianne donc, est le symbole de la république, qu'elle était son effigie, son buste, qu'on retrouvait ça dans les mairies, les timbres. Absolument. Et qu'en 2013, Marianne est une Ukrainienne. Donc c'était le leader du mouvement féministe Femen, oui. Yulia Shevchenko, et qu'on a très peu entendu de voix contre, moi ce que je trouve très bien, elle fait des choses extrêmement bien, que personne ne s'est offusqué, qu'une femme en France depuis 21 jours représente la République. Ce qu'on a entendu se plaindre, c'est parce qu'elle montrait ses seins voilà, dans les églises. Et la question que moi, ça m'a amené, c'est comment est-ce que quelqu'un qui est en France depuis 21 jours, qui ne parle pas français, qui n'est pas française, arrive à symboliser la République. Voilà. Alors que moi, je ne le peux pas. Et c'est une question rhétorique parce que j'ai la réponse. Qu'est-ce qu'elle n'a pas ? Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas ? Qu'est-ce qu'elle a que mes 7 Mariannes noires n'ont pas ? La blancheté. Exact. Et on était déjà en Ukraine. Alors effectivement, c'est assez... Donc à la page 55... La pensée pseudo-universaliste, elle, considère le racisme comme un objet neutralisé, un colis suspect sous sa cloche qui ne risque plus de nous faire du mal. J'ai beaucoup aimé cette phrase parce qu'effectivement, j'ai constaté que c'est exactement ainsi que... Quand j'ai des discussions avec des gens, par exemple, pour leur dire que bon, mais il y a encore des choses, même aux Antilles, qui subsistent, tout de suite, c'est... mais non, mais ça n'existe pas.
ça n'existe pas. Et c'est y a une la suspicion. C'est toi qui amènes le problème. Voilà, on me dit ah non, mais c'est toi qui en parles. C'est une vue de l'esprit, etc. Et je me dis que ça a été tellement bien fait, tellement bien pensé que même nous. Nous avons tendance à raisonner aussi comme ça, puisque l'école a façonné aussi notre état d'esprit. Alors, tu dis qu'il faudrait, Julien, toi, vous dites qu'il faudrait penser l'universalisme post-colonial comme l'affaire de tous. Absolument. Alors, n'est-ce pas la hiérarchie des femmes, des hommes, en fonction de leurs origines ou de leur place dans l'histoire, qui pourrait être un frein à ce projet? Parce que, comme tu le soulignes dans l'Hexagone, par exemple, qui connaît Bélé, qui connaît les sœurs Nardal. Alors, c'est vrai que penser l'universalisme, se dire que ça doit être l'affaire de tous, mais comment ça peut être l'affaire de tous quand finalement tous ne sont pas au même niveau? C'est, on va y revenir. Sur la question du racisme, il y a vraiment un travail de pédagogie à faire. Aujourd'hui, à moins qu'on soit au KKK, lorsqu'on entend racisme en France, on a vraiment des images mentales très nettes qui arrivent. C'est les corps noirs qui pendent. Le racisme, c'est un objet éloigné. Aux États-Unis. Aux États-Unis, les corps noirs qui pendent. Ah non, mais moi, j'ai jamais lynché. Comment tu peux me dire que je suis raciste? Moi, je suis pas un soldat blanc de Soweto. Je suis pas un soldat de Bolsonaro. Qu'est-ce que tu... Donc, en France, on a du mal à se dire qu'on est raciste. Moi, la solution que j'ai trouvée, c'est de dire aux gens, dans une visée pédagogique, c'est qu'on a du racisme. On a du racisme. Et ce racisme, il est né, il vient justement de l'école, l'organisation sociale, où on a appris une histoire de ce que nous sommes, ce que d'être français, qui est une histoire avec des trous. Et cette histoire avec des trous a fait qu'on voit certaines personnes comme étant français naturellement, sans avoir besoin de contrôle, même, spontanément. Francité, c'est ça. Et d'autres personnes dont la francité est sujet au doute, elle est sujet au contrôle, on va vérifier les papiers, et d'autres dont la francité ne pourra jamais être, jamais, jamais on ne pourra les voir comme français. Donc il y a vraiment un travail de pédagogie à faire, et pourquoi? Et ça, c'est une très très bonne question. Quel est l'intérêt à faire ce travail de pédagogie? L'intérêt, c'est quelque chose qu'on développe un peu à la fin du livre, c'est-à-dire aujourd'hui, on est divisé en petits groupes, on se voit dans des petites chapelles, les Français, les pas Français, les banlieusards, etc. Et nous avons véritablement face à nous, et je le répète encore, des projections, des challenges, des aventures. Aujourd'hui, on parle de l'avancée de l'intelligence artificielle. Moi, je suis professeur à Carnegie Mellon. C'est l'université où l'intelligence artificielle a été inventée par deux professeurs, Simon et Noel. Au mois de mai dernier, je traverse le quad pour aller à mon bureau et je tombe sur une image qui commence en fait le dernier article sur lequel je travaille, des étudiants qui sont sur un bout du campus et je vois des petites bêtes qui courent. Je ne savais pas ce que c'était, je pense que c'était des petits chiens. Et en fait, c'était des chiens robots. Robots, exact. Que des étudiants de 19-20 ans sont en train de faire et des chiens qui sont chargés de la conscience et de l'expérience de près de 300 000 policiers. Dont on a relevé près de 30 ans d'informations et de données. Donc ces étudiants me disent, avec ces chiens, on va réduire les instances de violence policière parce qu'ils n'auront pas ces biais racistes, cognitifs que les policiers ont d'avoir peur, par exemple, des hommes noirs ou des hommes indigènes et de leur tirer dessus. Et je me dis, mais vous rendez compte, on a un chien qui a été chargé, littéralement, download, de la conscience, des gestes, peurs, de la confiance de 300 000. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'éthique derrière? Ça interpelle. Aujourd'hui, est-ce qu'on va arriver dans un monde où avoir un litre d'oxygène nous coûtera 2000 euros? Qu'est-ce qui se passe? Quel monde écologiquement? Donc toutes ces questions-là, elles vont nous demander de nous retrouver en tant qu'humains. Ouais. Et ce sont des questions où la couleur de notre peau n'aura aucune espèce d'importance. Donc il faut vraiment qu'on arrive en tant qu'humain à mobiliser cette intelligence qui nous a tant servi pour dominer le feu, pour tailler des pierres il y a des dizaines de milliers d'années, et se dire qu'on a cette chose aujourd'hui qui est en train de fracturer nos sociétés d'une manière absolument hallucinante partout, de la France à la Pologne au Brésil, et se retrouver dans ce qu'on a de commun, qui est notre humanité. Notre humanité.
et essayer de sauver cette terre qu'on est en train de rendre de plus en plus exsangue, inhabitable. Alors, que faire des traces du passé du passé esclavagiste ou du passé colonial? Alors, l'an dernier, enfin surtout il y a 2 ans, on a vu par exemple en Martinique, on a déboulonné Shell-Cher, un peu partout, hein, il y a eu des statues qui sont tombées. Alors, que faut-il? Faut-il, pour pouvoir donc atteindre cet universalisme post-colonial et antiracial, on va dire, est-ce qu'il faut laisser les choses en l'état, faire de la pédagogie, comme tu le disais tout à l'heure, mettre ces statues qui blessent, qui choquent une partie donc, de toutes ces personnes, que faire? Que faire? Parce que manifestement, ça a généré effectivement beaucoup de tensions sur les réseaux. Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas du tout apprécié ce que ces jeunes Martiniquais avaient fait. On leur a dit qu'ils détruisaient l'espace commun public. On leur a dit qu'ils s'attaquaient à des symboles parce que Shell-Cher quand même nous a libérés, parce que c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup dans l'imaginaire collectif. Que faire par rapport donc à ces traces du passé esclavagiste et colonial? Alors, Shell-Cher ne nous a pas libérés, nos ancêtres se sont libérés eux-mêmes. Absolument. Il y a 2 ans, je lançais avec Julien déjà une question par rapport à une fresque qui se trouve à l'histoire qui se trouve à l'Assemblée nationale. Il y a très peu d'objets, voilà. Il y a très peu d'objets de commémoration et c'était une fresque absolument raciste. C'est un objet raciste, un objet bananien. Et à l'époque, un journaliste de France Culture avait dit comme ça en rigolant, et moi je trouve que ça dit beaucoup, mais elle est obligée d'enseigner aux États-Unis, elle est complètement nulle, elle ne sait même pas que l'abolition c'était 1848, c'était pas 1794. Un journaliste de France Culture. Donc quelqu'un qui ne savait pas qu'on avait eu 2 abolitions. Une première fois en 1794, une deuxième fois en 1848. Et c'est une question qu'on aborde un peu dans le livre. Lorsqu'on parle de Shell-Cher, la France donne la liberté à un moment où la situation n'est plus tenable. Mais derrière ça, il y a des centaines d'années de rébellion. De résistance. De résistance, par l'avortement, par la fuite, par le marronnage. Et donc, nos ancêtres se sont libérés. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, par rapport aux objets, il y a une chose qui est extrêmement intéressant, je me rappelle en juin 2020 lorsque le président de la République dit la République ne cédera pas aux injonctions la République n'a jamais fait tomber de statue, la République ne fera pas tomber de statue. Et moi j'ai juste une question, je veux qu'on me montre les statues du maréchal Pétain, je veux qu'on me montre des boulevards encore au nom de Pétain, parce qu'on sait ce qui se passe avec ce grand héros de la guerre de 1914, qui fait ce qu'on sait en 1945, et après 1945, les écoles Pétain sont débaptisées, les avenues sont débaptisées. Donc il arrive un moment où on va remettre, il y a une histoire qui est très belle, on est sur l'épopée de 1914, c'est génial, mais cette épopée, lorsqu'elle est revisitée, on se rend compte que c'est personne ne peut plus représenter nos valeurs. Absolument. Et c'est exactement la question qui se passe aujourd'hui avec des personnes telles que Colbert, etc., qu'on puisse arriver à un moment de se dire, est-ce que cette personne est la plus à même de représenter nos valeurs? Quelle autre personne a pu représenter nos valeurs et n'existe pas dans ce roman national? Et arriver, parce que la rue parle, la rue, ce sont des pages comme les pages des livres d'histoire. On lit notre histoire dans les noms des rues, on lit notre histoire dans les statues, le statuaire. Et donc aujourd'hui, on a besoin d'une histoire du statuaire, une histoire des rues qui soit un peu plus équilibrée. Je te remercie énormément. On va te retrouver tout à l'heure de toute façon parce que j'ai encore 2 petites questions à te poser. Nous allons passer donc à la rubrique que vous commencez à connaître. C'est quelques lectures à vous conseiller. Je vous retrouve tout à l'heure en compagnie de notre invité. À tout de suite. Donc, comme je vous le disais, on se retrouve pour la rubrique « Quelques lectures à vous conseiller ». Tout d'abord aux éditions Negmaron, « Monde magique en apesanteur » de Hubert Anissette à Santé Sema. C'est un recueil de poésie.
aux éditions Nestor maintenant. Caramel Blues de Didier Destouches. Un superbe recueil, je vais même dire un carnet poétique. Donc les carnets poétiques présentés ici sont issus de nombreux moments de méditation et de contemplation dans un contexte de pandémie mondiale et de crise sociale locale. Sous la forme de vers libres, de slams, de versets, de sonnets et de quatrains dans une langue simple et épicée, ces poèmes sont un témoignage de l'admiration de l'auteur pour toutes les formes historiques de l'art poétique et un plaidoyer pour son unité. Et enfin, aux éditions Une Voix, une histoire, je vous rappelle que les éditions Une Voix, une histoire sont des éditions qui mettent notre littérature en audiobook. Donc je fais un coucou à Patricia Triplet. Donc j'avais déjà parlé de son recueil, nous l'avions déjà reçu, et son recueil Résilience Cho a été mis en voix par un combo d'artistes, un combo d'auteurs, un combo de personnalités tout simplement, sous le nom de La Voix des Marrons. Oser croire en ses rêves, avec cette effronterie qui la caractérise, Patricia Triplet nous livre ses réflexions à travers ce recueil de poèmes où résonne sa sensibilité et sa révolte. Donc je fais un coucou à Patricia et aussi un coucou à Manixia Titeka, la directrice donc des éditions Une Voix, une histoire, qui a effectivement relevé ce challenge de mettre tous ses poèmes en voix. Je crois qu'il y a 96 poèmes, me semble-t-il. Nous passons maintenant à une autre rubrique que vous commencez aussi à bien connaître, c'est la minute de la lectrice et du lecteur. Et là, une petite surprise, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu essentiellement des femmes, d'ailleurs que des femmes, c'est encore du côté féminin que nous avons donc une lectrice, mais cette fois-ci c'est une jeune lectrice. Donc je vous laisse découvrir ce qu'elle a à vous dire et je rappelle que vous pouvez envoyer vos vidéos à l'adresse mail suivante lortarer@gmail.com. Bonjour, je m'appelle Soane Larraine, j'ai 10 ans et demi et je vais vous présenter K-pop confidentiel de Stéphane Lee, paru aux éditions Hugo Niue en octobre 2020. Ce livre m'a attirée en librairie car j'aime beaucoup l'univers de la K-pop et la couverture était très jolie et le résumé donnait vraiment envie de le lire. Ce livre part de Candace, une jeune fille de 16 ans qui vit aux États-Unis et qui est obsédée par un groupe de K-pop. Et encouragée par une amie, elle décide de passer une audition pour intégrer un nouveau groupe de K-pop féminin à Séoul, en Corée. Et donc, il va lui arriver des péripéties tout au long de son parcours qui finira par la faire devenir une icône de la K-pop. Ce que j'ai bien aimé dans ces livres, c'est l'importance des détails qui m'a permis d'imaginer les lieux et les personnages. Ça donnait un côté réaliste. Dans ce livre, j'ai appris de nouveaux mots dans le mini-dictionnaire en fin d'ouvrage selon Imani. Je recommande ce livre à tous ceux qui aiment l'univers de la K-pop ou qui voudraient le découvrir. En tout cas, moi, ça m'a plu et j'espère que ça vous plaira. Donc maintenant, nous passons à une autre rubrique que je sais que vous appréciez beaucoup, la rubrique conseil d'écriture de Corinne Dossa. Corinne Dossa qui a été notre première invitée, Corinne Dossa qui est la marraine de cette émission. Donc aujourd'hui, vous assistez au volet 6 de ses conseils en écriture. Mon roman doit être parfait. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, les perfectionnistes, dans tous les domaines. Vous savez quoi? Aucun auteur ne trouvera jamais son roman parfait. Aucun peintre ne trouvera jamais son tableau exempt de défauts. Aucun sculpteur n'aura l'impression que ça y est, il est parvenu à l'idéal qu'il avait en tête. Alors, on oublie le perfectionniste. Il est très important de poser ce cadre avant même de commencer son livre.
J'ai parmi mes très proches quelqu'un qui a écrit très tôt. Il m'a fait lire ses premiers livres à l'âge de 18, 19 ans. Et il avait, selon moi, réellement le talent, la capacité, le potentiel d'offrir à ce monde des œuvres magnifiques. 30 ans plus tard, ces livres, ils sont où? Dans un sombre tiroir. Ils n'ont jamais vu la lumière. Parce que cet ami n'a jamais trouvé que ces livres, que ces romans, que ces histoires étaient suffisamment belles. D'autre part, je vais vous dire ceci. Il y a toutes sortes de livres. Et ne vous attendez pas non plus, lorsque votre livre doit sortir, à ce que tout le monde le trouve parfait. Ça n'arrivera pas. Tout simplement parce qu'un livre, toute œuvre est subjective. Chacun le verra, le lira à travers ses propres prismes. Et ce n'est pas grave. Regardez dans les étals de librairie. Il y a toutes sortes de livres. Des bons, des moins bons. Et ceux qui sont considérés bons par les littérateurs ne sont pas forcément ceux qui sont plébiscités par le public. Il en faut pour tous les goûts. L'essentiel, ça va être d'aller au bout de votre œuvre. Et si vous la voulez parfaite, elle ne sortirait jamais. Elle ne verra jamais le jour, votre œuvre. Alors allez-y, mettez le perfectionnisme de côté, parce que ça n'existe dans aucun art, et encore moins dans la littérature. Nous passons maintenant à une rubrique que vous appréciez particulièrement. C'est la rubrique d'Alix qui s'intitule « Une page se tourne, silence ça tourne ». Je vous laisse découvrir sa rubrique toujours pétillante et palpitante. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un roman classique scolaire français, Vipère au poing d'Hervé Bazin. Durant l'été 1922, Jean et Ferdinand sont élevés par leur grand-mère paternelle dans le château familial de la Belle Angerie, dans la région de Segré, au nord d'Angers. La mort de leur grand-mère oblige leurs parents, Jacques et Paul Rizeau, à quitter la Chine où le père enseigne dans une université de Shanghai pour revenir s'occuper de leurs enfants. Avec impatience et curiosité, les deux enfants attendent leurs parents et le petit frère qu'ils ne connaissent pas sur le quai de la gare. En se jetant sur leur mère pour l'embrasser, ils se font violemment repousser par cette dernière qui souhaite descendre tranquillement du train. Leur nouveau petit frère Marcel leur adresse un salut presque froid. Seul leur père les embrasse. À partir de ce moment, les deux frères aînés subissent la cruauté de leur mère, sa partialité et sa sévérité. Elle chasse Ernestine, la gouvernante, qui a eu le malheur de protester et peut ainsi à sa guise imposer sa tyrannie. Elle nourrit mal ses enfants et se permet pendant les repas de planter sa fourchette dans leurs mains. Elle les prive de promenade et les condamne à passer leur journée à désherber les allées du parc. Elle confisque les objets et les jouets de ses enfants, ainsi que les friandises que leur offrent leurs grands-parents. Pire, le soir après la prière, chaque enfant doit se confesser devant elle et le précepteur et avouer les péchés de la journée. Marcel, le jeune fils préféré, en profite pour dénoncer ses frères. Blessés par tant de cruauté, Ferdi et Jean se réfugient dans l'hypocrisie et affublent leur mère du surnom de Folcoche, association de folles et de cochonnes. Quand le 19 janvier 1948, un inconnu de 36 ans, du nom de Jean-Pierre Hervé Bazin, dépose chez l'éditeur Grasset le manuscrit d'un roman intitulé « Vipère au poing », personne ne s'imagine que quelques mois plus tard, le dit roman défrayera la chronique littéraire et se vendra finalement à plusieurs millions d'exemplaires. Son auteur lui-même, qui prendra le nom de plume d'Hervé Bazin, est loin de s'en douter. Comme le dira son biographe Jean Anglade, l'auteur de Vipère au poing était un homme inconnu, solitaire, abandonné de toute sa famille, qui avait écrit son roman dans un taudis après avoir vendu pour vivre des chaussettes et des cravates. Et pourtant, le lendemain du dépôt à 15h30, il est prié par télégramme de téléphoner chez Grasset. Le jour suivant, il signe officiellement un contrat avec la maison d'édition. Sans doute la décision éditoriale la plus rapide de la littérature française. Ce roman que son auteur affirme n'avoir pas plus calculé qu'un coup de poing provoque dès sa sortie remous et indignation dans la sphère littéraire française.
Bazin, qu'on entoure rapidement d'une légende d'écrivain féroce, voire même diabolique, se verra refuser le prix Goncourt pour Vipère au poing, sur veto de Colette, scandalisé qu'on puisse ainsi parler d'une mère. Pourtant, quelques années plus tard, il intégrera lui-même la prestigieuse Académie jusqu'à la présider et participer notamment à la création du prix Goncourt des lycéens. Quelle part d'autobiographie dans Vipère au poing ? Disons 80%, répond Bazin en 1962. Pourtant, le doute est permis et l'auteur lui-même brouille les pistes. Lorsque l'on met en parallèle le roman et les données biographiques, la quantité d'éléments identiques est frappante. Prénom à peine, voire non modifié, cadre spatio-temporel respecté, chronologie familiale. En dehors même du roman, entre ce que Bazin dit et ce qu'il laisse dire, son attitude contradictoire entretient le mystère. C'est justement dans cette alchimie, mêlant fiction et réalité, quelle qu'en soit la proportion, que naissent le sens aigu du détail, la finesse du portrait des personnages, la saveur particulière des situations, qui confère à l'œuvre le caractère unique qui l'a rendue célèbre. Cependant, Vipère au poing n'est pas le récit larmoyant des souffrances du narrateur. Au contraire, c'est le récit d'un combat entre un enfant et son tortionnaire. Au fil du temps, le tortionnaire n'a plus le dessus et le roman s'achève à la veille de la séparation du narrateur et de sa mère. L'œuvre de Bazin a fait l'objet de deux adaptations, une pour la télévision, l'autre pour le cinéma, qui ont conservé tous deux le titre du roman. La première adaptation a été diffusée à la télévision en 1971 dans une réalisation de Pierre Cardinal avec Alice Sapritch qui interprète une folle coche marquante. Le film est très respectueux du roman et on peut compter sur l'immense interprétation d'Alice Sapritch. Conscient du charisme de son actrice, Pierre Cardinal focalise sa caméra sur le regard colérique de cette bonne femme perverse et sadique. L'actrice a su complètement s'effacer pour que son personnage puisse s'exprimer librement. Si bien qu'à chaque fois que Folcoche apparaît à l'écran, on la craint vraiment, aussi bien le spectateur que les enfants et les adultes. Personne n'ose s'opposer à elle de peur de s'attirer ses foudres, sauf une personne, son propre fils. La seconde adaptation est sortie sur les écrans en 2004, dans une réalisation de Philippe de Broca, avec Jacques Viré et dans le rôle de Folcoche, Catherine Fraud. Étrange idée que de confier une adaptation de Vipère au poing au réalisateur de Cartouche et de L'Homme de Rio. À première vue, en effet, le ton du roman se situe à des années-lumière de celui des films de Philippe de Broca, où les joyeuses tribulations du héros combattent la morosité du spectateur en l'emmenant aux quatre coins du monde. Vipère au poing est un roman sombre et amer qui se déroule quasiment en huis clos. Fallait-il donc que de Broca se détache de sa filmographie pour aborder l'adaptation ? C'est là que les puristes grincent des dents. Olga Vincent, à l'origine du projet, a voulu au contraire laisser le réalisateur amener son propre point de vue sur l'adaptation du roman. Il en résulte, avouons-le, que le film s'en éloigne sensiblement. D'amer à doux amer, le ton du récit change. Le cynisme se teinte de bons sentiments et la déclaration de haine se charge de morale. Scandale, crieront les nostalgiques du téléfilm, tandis que les autres essaieront simplement d'avoir une approche différente. On est parfois plus dans la comédie que dans le drame, disons alors dans cette catégorie très imprécise appelée comédie dramatique. L'enfance de Brasse-Bouillon n'est pas morte, mais le contenu, justification à quelques scènes alors que la mère vacailleur de bêtises infantiles, de jeux dans les bois ou d'escapades qui permettent aux enfants de souffler un peu. Là où le bât blesse cependant, c'est lorsque de Broca reprend les relations mère-fils. À l'évidence plus à l'aise dans les scènes qui font sourire, le réalisateur peine à nous faire ressentir la haine immédiate entre Folcoche et Brasse-Bouillon, notamment lors des dîners où la tension est sans cesse relâchée par un élément comique qui, à notre grande âme, vient adoucir le ton. Et si Catherine Fraud arrive à nous surprendre agréablement en Folcoche, à la fois détestable et touchante, le jeune Gilles Citruc, malgré ses efforts, offre une interprétation en demi-teinte, tantôt forçant un peu trop le jeu à des endroits où la contenance prévalait, tantôt capable de nous toucher dans des moments cruciaux, mais en fin de compte, n'arrivant pas tout à fait à convaincre. Entre les deux, Jacques Viré, parfait, doit s'effacer pour incarner ce père très attaché à ses enfants, mais trop lâche pour tenir tête à sa femme, véritable autorité de la maison.
Si l'on peut regretter cette omniscience de la comédie dans une histoire qui n'en avait pas tant besoin, nous nous rattrapons sur l'un des gros points forts du film, à savoir l'intérêt apporté aux raisons qui mènent à la haine mère-fils, ou plutôt fils-mère, cette dernière qui, malgré son total décalage avec le roman, justifie tout l'intérêt de l'adaptation. Dans Vipère au point en effet, Bazin ne trouvait jamais d'excuses au comportement intolérable de sa mère vis-à-vis de lui et ses frères. Il ne s'agissait que de condamner ouvertement Folcoche, archange du mal et de la haine. Le film décide de prendre une tournure différente. De Broca décide de fouiller un peu plus du côté de la mère en envoyant son jeune héros à la rencontre des parents de Folcoche. C'est là-bas que Brasse Bouillon, en quête d'une solution, va découvrir les véritables responsables. Ce grand-père et cette grand-mère, sans cesse affairés, égoïstes, qui n'ont jamais existé pour leur fille autrement que comme deux noms au bas d'un chèque. Phénomène bien connu, les enfants qui n'ont jamais été élevés sont à leur tour incapables d'élever correctement. Ayant compris cela, de retour à la Bellangerie, le fils devra confesser à sa mère endormie qu'il ne lui tient plus rigueur de sa dureté. Le roman s'achevant sur une déclaration de haine éternelle, le film se nuance et préfère donc conclure sur une séparation douloureuse. L'émotion se trouve là, non pas dans la tristesse ni dans la compassion, mais en fin de compte, dans cette absence de dialogue entre l'enfant qui ne voulait pas pardonner à sa mère et la mère qui n'a jamais su aimer son enfant. En cela, le film touche juste, et pour sa dernière œuvre, De Broca montre qu'il peut aussi être poète et parvient à nous faire verser une larme. Ma rubrique se termine. Merci de m'avoir écoutée. Alix, nous te remercions pour ta rubrique toujours palpitante. Effectivement, Vipère au point d'Hervé Bazin est une œuvre que nous avons pratiquement tous et toutes étudiées à l'école, n'est-ce pas, Mam? Tu as dû sans doute connaître. Absolument. D'accord. C'était vraiment les classiques que Absolument. Nous apprenions au collège. Donc, nous revenons vers toi. Avant de te laisser donc, le mot de conclusion, j'avais une dernière question à te poser. Alors, il y en a deux, mais peut-être que nous n'aurons pas le temps. Mais en tout cas, la dernière, à qui s'adresse cet ouvrage et quelle a été la réception de cet ouvrage pour le moment? Comment il est reçu par ceux qui l'ont acheté? Alors, le livre est sorti le 3 février. Pour l'instant, la réception est vraiment très, très, très bonne parce que justement, le livre n'est pas dans une perspective d'attaquer, d'agacer. Il apporte des faits et il l'apporte d'une manière assez apaisée. Il essaie d'ouvrir des portes et puis si les portes sont fermées, d'ouvrir peut-être une fenêtre. Et puis si les fenêtres sont fermées, on se dit qu'il y a peut-être la porte d'une cave qui est possible d'ouvrir ou passer par la cheminée comme le fait le Père Noël. Donc vraiment se dire voilà qu'on a envie de discuter et ça répond un peu à la question pour qui le livre est. Il est pour tout le monde. On veut qu'il soit lu dans les collèges, qu'il soit lu dans les lycées. On a parlé tout à l'heure de Vipère au point. C'est un classique. Moi j'étais étudiante en Hippocagne en Cagne, très très bonne en lettres, et c'est aux États-Unis à 26 ans pour la première fois que je découvre le nom de Marie Scondé, que je découvre le nom d'Aimé Césaire, que je découvre les noms, que je les lis. Et donc c'est aussi se dire que pouvoir dire nous, pouvoir savoir ce qu'est la France et à partir de là savoir quelle est la France, la place de la France dans le monde, c'est revenir à la manière dont on construit nos classiques, se dire que voilà, en quatrième ou en sixième, moi j'ai envie de lire Hervé Bazin et il faut que nous lisions aussi Marie Scondé. Il Absolument. Faut aussi lire toutes ces choses qui font la France. Et donc ce qu'on a voulu dans ce livre, c'est de dire aujourd'hui, si on doit considérer Marie Scondé comme une œuvre classique, comme une écrivaine classique et de la France et de la Guadeloupe, ce n'est pas pour l'imposer aux gens, Absolument. Mais il y a une histoire qui est contenue ici, une histoire douloureuse, 420 ans, qui fait qu'elle est une écrivaine française, qu'elle est une écrivaine de la Guadeloupe, mais qu'elle garde cette saveur d'ici, qui enrichit, qui apporte une autre saveur à la littérature française. Donc c'est une œuvre à vraiment mettre entre toutes les mains de 7 mois à 77 ans. D'accord. Alors avant de te laisser lire à la page 101 la dernière phrase du livre, moi j'ai beaucoup aimé ceci.
L'universalisme de la conscience historique n'est ni une mise en accusation de l'homme blanc, ni une posture victimaire de la génération offensée, ni une culture de la repentance, ni une concurrence des mémoires. Et j'aime beaucoup que tu fasses référence à une concurrence des mémoires, parce que malheureusement, tout de même, on constate qu'on nous demande, à nous les enseignants, de ne jamais oublier de parler de la Shoah et de convoquer toute la tristesse qu'a représenté cet épisode sombre et douloureux de l'histoire. Mais attention par contre quand il s'agira de parler donc de l'esclavage et de la colonisation. Donc moi j'espère et je souhaite véritablement qu'effectivement il n'y ait pas de concurrence mémorielle et qu'on puisse se rappeler, comme dit Césaire, que eh bien, quand un juif est attaqué, c'est un homme simplement qui est attaqué. Absolument. Quand George Floyd meurt, c'est un être humain qui meurt. Ce n'est pas juste un noir. C'est un être humain qui meurt. Absolument. Donc, est-ce que tu pourrais nous lire la dernière phrase que j'ai beaucoup aimée de cet essai, page 101 ? Alors, sur bien des plans, unifier le temps majoritaire et le temps minoritaire est le grand défi français des décennies à venir. Entre l'immobilisme et la table rase, un chemin étroit existe. Il nous appartient de l'ouvrir par le dialogue, loin des calculs politiciens, du brouhaha médiatique, des fantasmes de guerre civile qui entérinent jour après jour l'idée d'une France irréconciliable, fracturée entre eux et nous. Cette hospitalité républicaine, accueillir l'autre et ses points de vue divergents, dans ma vision du monde, n'est pas seulement une opportunité, elle est la responsabilité historique de notre génération. Elle est aussi un processus qui ne connaîtra pas de dénouement, car le racisme n'a pas de fin. Mais accepter d'être un pays postcolonial, avec tout ce que cela implique, est peut-être pour la France la seule manière de ne pas devenir un pays post-républicain. Merci beaucoup, Mam. J'étais très heureuse de te recevoir. Merci. J'espère, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices et internautes, que vous aurez donc apprécié ce moment. Alors, je veux juste te rappeler que tu es de passage ici aussi pour promouvoir donc ce livre. Absolument. Et que tu en parleras donc demain à l'Arawak, lors des cafés littéraires, donc à partir de 18h30, et le livre sera en vente, et c'est un tout petit livre qu'on a essayé de mettre en circulation, donc il est au modique prix de 9 €. Très bien. En tout cas, je vous remercie et j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.